Salam alaikum, ici Chem Meshoui. Les frérots, bienvenue dans un iftar presque parfait. J'ai beaucoup de proches qui font le ramadan et j'ai toujours aimé l'ambiance conviviale qui s'y dégage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais accompagner mes proches pendant une journée de jeûne. J'ai donc décidé de préparer moi-même le repas de ce soir et d'inviter 5 potes qui auront jeûné toute la journée pour qu'ils se régalent à la maison. Je vais devoir assurer parce qu'ils vont chacun noter le repas, l'ambiance et la décoration combinés dans une seule et même note. Sachant que moi, en cuisine, je suis une galère pas possible et même, honnêtement, je ne sais pas recevoir des gens chez moi. Le but c'est de faire un repas convivial. Je veux que tout le monde kiffe, que tout le monde passe un bon moment. Donc on va tout donner aujourd'hui. Il est actuellement 11h18. Mes invités ils arrivent à 18h30. Donc à partir de 18h30 faut que tout soit prêt. C'est parti les gars. Ah oui, et le fond d'écran, ne vous inquiétez pas les gars, le fond d'écran c'est pas pour rien. C'est parce que justement j'allais y venir. On est chez Saïf. Je le présente plus. Maintenant commu. Je pense que vous connaissez Babacam. C'est mon frérot, c'est devenu mon deuxième papa avec le temps. À la base c'était mon manager, c'est devenu mon daron. C'est pour ça, j'ai été contraint, il aime le Maroc comme jamais, j'ai dû mettre le drapeau du Maroc en fond d'écran. Regarde comment il est heureux. C'est magnifique, bah, mais tu sais qu'il y a un problème. Simple, efficace, non, comment ça va? Il y a un Chem Meshoui, il vient de Kabylie, il vient de Tizi Ouzou. Ah. Je suis né à Tizi Ouzou, moi. Bon, ça va, t'es berbère. Ah, quand Ben Yeraz, Azon Flawan. Azon Flawan. Voilà, dahak. Ce soir, tu vas te régaler, hein, sache-le. Il y a la maman de Saïd qui est là et qui va m'aider de temps en temps. Parce que déjà, ta mère, elle est trop forte, elle cuisine trop bien, faut se le dire. Je te propose une chose, comme on est chez toi, que tu connais bien les gens, faut qu'on aille faire les courses. Bah là, il faut qu'on... Ouais. Il y a la maman de Saïd qui a envoyé tous les plats qu'il faut que je prépare un petit peu pour faire un bon iftar. Elle nous a fait un vrai menu. Attends, mais le menu. La tête d'eau, bah, tu sais qu'elle nous a fait... Ah ouais. Ah ouais, mais là, moi, je croyais que j'allais faire deux plats, genre. Ah non, 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 il y a brique. Il y a tout. Il y a tout, brique. Il y a tout. Vas-y, un truc. Viens, on y va. On est chez toi, on est dans ton quartier. Ouais. Faut que je te suis pour les courses. Vas-y, viens, viens, viens. Descends, descends. Confiance. On va aller à la boucherie déjà du TK. Je vais peut-être enlever la djellaba là-bas, je vais mettre le sweat. Ah ouais, je t'appelle en visio. Oui. Vas-y, ok. Fais attention. Ok, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Oh là, la daronne. Tu prends quand même tes petits coups de pression. Ah bah, daronne, moi, t'es fou, la daronne. Ah, t'as beau être un big daron. Ouais, mais t'es fou, la daronne, mon rat. Faut bouger, faut bouger. Saïd, je te suis. Hein. C'est toi qui connais la maison. Ouais, c'est le quartier plutôt. C'est pas la maison. Oh, paharak, paharak. Attends. Ah, Bichou. Salam alaikum. Salam. Voilà. Et lui, il est kabyle aussi. C'est vrai. Et lui, c'est un vrai kabyle. Non, moi, je suis Tizi Ouzou, moi. Moi je suis Tizi Ouzou. Mais non. Pour de vrai ouais. Ah bah oui. Mais oh mon frère. Hein? Eh bah ouais, tu fais moi le ah con ouais. Là. Tonton. Tonton. Ammi. C'est Ammi. Dis Ammi. Ah Ammi. Voilà. Les enfants ils sont fans. Ah c'est vrai. Ça fait plaisir. Vous leur ferez des bisous de ma part. Ah oui, la chaleur en fait de ce quartier. Mais mec, c'est incroyable ici. T'as vu ou pas au point? On n'est pas à Paris là. Ça, c'est les ambiances de quartier. Lorsque je dis au point. Ouais, c'est je vois le délire. Eh, faut que t'appelles ta mère en visio. Ouais, je sais. Oublie, elle va te défoncer sinon. Mais... Oh, la bouche. Ouh. Moi tu connais, je suis là, je soutiens. Donc aujourd'hui je vais pas manger non plus. Je vais manger qu'à partir de ce soir. Là, il y a des endroits où faut pas me ramener là. Il est 11h, moi j'ai faim déjà. Ah ouais frère, t'as ouf, quoi tu vas voir, c'est pas grave. Comment tu fais toute la journée? C'est bon, t'as envoyé le visio. Ouais, ça va, alhamdoulilah. On prend quoi maman? Je suis trop de maman. Eh ben, s'il avait un poulet, le blanc de poulet. J'ai toute la liste de courses avec tous les plats qu'on doit refaire. Brique, méchoui, 30 cornes de gazelle, des cornes de gazelle. C'est quoi ça? 30 cornes de gazelle, bah oui. Cornes de gazelle aussi, hein. Ouais, je vais apprendre. On va faire ça bien. Oui. Elle a dit oui en mode t'es obligé. Oui, 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 t'as intérêt. Ah, c'est la daronne qui fait les courses. Alhamdoulilah, on t'y est là-bas. Alhamdoulilah, barak la fille. Ah, c'est la daronne qui fait les courses. C'est chouette. Moi, j'étais prêt à demander, j'avais la liste. Les gars, la daronne, elle s'occupe de tout. Oh, il y a du pomme. Eh, ça, c'est une boisson marocaine, non? C'est 100% marocain. Ah ouais? Bah ouais, poto. Enfin, les marocains, vous êtes forts. Hein. Ah ouais. Non, moi, il y a un truc qu'il faut que je goûte. C'est quoi? Le Selecto. Selecto, tu sais que j'ai jamais goûté, ouais. Alors que tout le monde m'en parle en mode Selecto. Mais t'es un fou, c'est la boisson tout le monde connaît genre. Ouais, Selecto, imitation coca. Oh là là, ça c'est magnifique. Oh, il y a écrit véritable Selecto, le goût inimitable. Ah ça c'est sûr que c'est inimitable. Mais alors que eux-mêmes ils ont imité, non? Et aussi, il y a un truc les gars, en plus de préparer tous les plats pour ce soir, faut aussi préparer le lait et les dattes. Le lait, les dattes. Pour couper le ramadan. Vous prenez ça comme lait? Ouais, on préfère à la grenade. Ok.
Et tu crois que ça, les invités ils vont kiffer? Ouais, c'est original on, en fait. Ouais, on en prend un normal aussi, il est fermenté comme ça, bah, on sait jamais. Ah, vas-y, comme ça il y en a pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Comme tu dis, Saftorek. On vient de sortir de la boucherie, on a tout ce qu'il nous fallait dans la boucherie. On va où maintenant? On n'a pas encore tout. Ah, je t'emmène au hypermarché du Halal. Tu vas péter les portes. Hypermarché du Halal. Ouais. Après, je les connais pas personnellement. Non, attends, tout, tout est Halal. Ah ouais? C'est long, ouais. Mais c'est, non. Hey, tout est Halal. Ça va? Tranquille. Ça te dit quoi, frérot? Bien. T'es de quelle origine? Malien, hé. T'es quoi, soniqué? Vous étiez la première question, c'est toujours t'es de quelle origine? D'accord, ok. Et tu fais le ramadan? Ouah, machallah, wow, c'est bien. Eh bah, viens faire c'est le tour là à la maison. C'est moi qui cuisine ce soir. Non, si c'est toi qui cuisine. Ouais. Ouais. Eh, bientôt j'ouvre mon restaurant, t'inquiète. Les refs, on a pris la voiture, on continue à faire les courses. Là, on va dans un hypermarché pour vraiment acheter tout ce qu'on veut. Et c'est hypermarché avec que du halal. Ça, j'ai jamais vu. C'est ça, c'est un hypermarché halal. Il est déjà 13h41. Eh ouais, poto, ça passe. Mais attends, mais là, je vais avoir 4 heures à peine pour préparer le repas entier. Le futulu, je vais avoir 4 heures. Isla food. Ça s'appelle. Je t'ai ramené dans un vrai bail. Spécial ramadan. Oh là 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 là. Là, il faut qu'on soit tous vite. Franchement, le temps passe vite, donc en vrai, ouais. Wesh. Non, mais attends, mais c'est un. Non, mais attends. C'est vraiment ça? Ouais. Ouais, j'ai l'impression d'être à Electro-Dépôt. Ah ouais, il y a les palettes en haut et tout. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Attends, je donne la liste. Vache qui rit, pommes de terre, poivron vert, poivron rouge, 1 kg de tomates, okay. 2 boîtes de tomates cerises. Ok. Tu veux des frises ou pas? C'est quoi frise? Frise, c'est halal, c'est chambé. Ah ouais? Ouais. Comment ouais, ça, ouais. C'est halal? Ouais. Une boisson, c'est pas halal. Si, c'est halal, une boisson. Il y a des boissons qui sont pas halal. Non, pour de vrai, c'est bien frise. C'est une dinguerie. Ouais, raisin. Pour de vrai, c'est bien ça. Pourquoi je connais pas moi? Tu connais pas frise? Je te jure, je connais pas frise. Mais moi, je connais que Corleone. Il a vraiment rigolé. Saïd, faut qu'on aille chercher 30 feuilles de briques. 30 briques, je dois faire? En vrai, faut acheter 1 kilo de ciment pour les briques. Ouais. Ça ira plus vite, non? Ouais. Mec, t'es mal les trucs. Wow. Wesh. Il y a des sauces vaches tirées. Prends pour. On est obligé de goûter ça. Non, je suis obligé de goûter. Oh, les dattes. Ah, vas-y, prends des dattes. Ah bah oui, frère. La classique. Attends, regarde. C'est lesquelles les meilleures? Dis-moi les meilleures dates. C'est celles d'Algérie. Et même si. Les meilleures, c'est celles d'Algérie. Ouais. Putain, mais les Algériens, ils sont forts. Hein. C'est dur quoi ça? Nous, les Marocains, on est en pull. Non, mais vous êtes forts aussi. Ah, ok. Mais bah, les Algériens, ils sont forts. Regarde là-bas, regarde là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Du saucisson? Vas-y, ouais. On va faire un apéro. Mais attends, mais. Du saucisson halal, ça c'est ouais. Jamais vu. Hein. Mais t'as jamais goûté? C'est quel animal? Il y a du bœuf, c'est volaille et bœuf. Volaille, après il y a d'autres trucs. Wesh, le saucisson c'est du poulet et du bœuf. Donc voilà les frérots, on passe à la caisse. Il nous manque un dernier plat. Parce qu'évidemment, Michou, je suis obligé de faire un méchoui. Donc on va aller chercher aussi ce qu'il faut pour le méchoui. Et ensuite c'est parti, on passe en cuisine, frérot. Alors récupère-nous ton méchoui là. Wesh, on est aux Champs-Élysées carrément. Ah, c'est le meilleur méchoui de Paname, c'est le meilleur méchoui même de. C'est une dinguerie. Ah, mais on prend un méchoui préparé? Ben oui, mon frère, tu sais combien de temps ça met de faire un méchoui? C'est minimum 7 heures de cuisson. Ah, mais moi je croyais que j'allais le faire moi, le méchoui. Comment tu vas le faire toi, poteau? Mais t'es un ouf. Ouais, c'est vrai que déjà il y a pas mal de choses à faire. Oh, frère! La vérité. Eh, je dois faire 25 briques, mais je suis un maçon ou un cuisto? Ah, le bâtard. Oh, mais on a déjà mangé ici. Mais dans la vidéo 24 heures sans les mains. Exactement. J'avais mangé voilà. Là. Mais par contre, c'est de la triche. T'es au courant? Non, mais personne ne le saura. Il y aura que toi, moi et la commu. C'est vrai ça. Ça, parce que tu sais que je vais avoir des notes, hein. Ils vont me donner des notes. Je vous expliquerai après, les gars, au moment de cuisiner, mais ils vont me donner des notes. Ça veut dire qu'il y aura peut-être moyen de gratter des points avec le méchoui. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah attends, mais il est privatisé là, le restaurant carrément. On l'a fermé, ouais. Bonjour, ça va et vous? C'est la chef. Merci. C'est vous qui avez préparé le méchoui? Oui. Oh là 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 là. Non, mais attends, mais là il y a un. Wow. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi comme animal? Un agneau. Ah, c'est un agneau? Ouais. Mais là, il y a l'agneau tout entier là. Et t'es mal à sauce, tout tac. Oh là là, Al-Hajja, franchement, tu m'arrêtes. Moi, pour moi, c'est le meilleur méchoui de Paname. Je te le dis tout de suite. Ah, la ouais vidéo, hey, ils vont être choqués. Ils vont pleurer sur le méchoui. Tu mets comme ça. Ok. Tu mets un primo. Ça, c'est quoi? C'est de l'abricot. L'abricot jaune. Voilà, okay. Tu mets l'abricot, tu mets ça, tu mets comme ça. Avec des petits pics. Ah, c'est bien, allez. Oh, ils vont se régaler. Faut que je me lave les mains, non? Oh, je vais craquer. Voilà.
Saïd, je vais craquer. Non, craque pas, mon ref. Voilà. Regarde-moi ça, ce méchoui. Je peux te dire, mes invités, ils vont pleurer sur le méchoui. Ils vont pleurer. Nous, on repart avec le plat. Oui. À la maison, je remets au four. Au four? Tu tires tout ça, je vais le tirer tout de suite. Ah, mais j'ai mis pour rien. Ah, mais j'ai mis pour rien. Oui, t'as mis les photos. Bah oui. Ok, voilà. Comme ça, je sais comment faire. Voilà. C'est vrai que c'était compliqué, là. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Merci à la prochaine. Wesh, ouais, il fait combien de kilos le méchoui? Allez. Bah, il fait au moins quoi, il y a 5 kilos. 10 kilos. Salam alaikum. Salam alaikum. Allez, bon appétit. Hein. Mais salam alaikum. Ça veut pas dire bonjour, salam alaikum? Non, non, non. Oui, tu vois, au revoir. C'est dire au revoir. Bah salam alaikum à vous. Mais c'est bon, le repas du ftour, il est fait, hein. En vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Oh, eh, j'espère que tu t'es pas garé loin, mon pote. Parce que ça fait les bras. On a tout ce qu'il faut. On rentre à la maison, les gars, et maintenant on va cuisiner pour de vrai. Fais quoi, Saïd? Attends, il parle avec le gardien, là? Ouais, c'est le deuxième gardien. Ah, bonjour. Toi, t'as vu comment Miguel? Comment ça va? Enchanté. Voilà. Ah oui, je le connais, lui. Mais il a fait deux jours, je le vois plus. Je sais pas où il s'est caché. Il a grandi, là, il va devenir. Je vais devenir papy, là. Il est choqué. Tu as osé faire ça, ton papa? Je vais devenir papy. Tu veux le vieillir? Tabac ici, là. Tu me fais papy? Ah, mais le pauvre, s'il veut avoir des enfants. Il est encore jeune, lui. Hein. Ah. Ça. Un papy jeune, doucement. Ouais, t'as demandé son accord, t'as pas fait ça. Ah ouais, mais il a déjà mon accord. Même moi, j'étais pas d'accord, il était d'accord. Maintenant, je suis d'accord. Ah, les enfants. Il les a vus grandir aussi, ça c'est les gardiens. Ouais. Bah oui, frère. Mais c'est bon, tu m'as vu grandir aussi. Je suis son cinquième fils, moi. C'est mon cinquième fils, celui-là, tu l'as pas vu, tu te rappelles pas? Ouais, je l'ai accepté pas longtemps, enfin. Ouais, j'étais là en intermittence. Voilà, j'étais là en 6 ans. Ouais, j'ai accepté en il est spécial, hein? Ouais. J'ai un daron spécial. Poto. Merci, à tout à l'heure. Et va venir à l'œuf-tour à la maison aussi. Attends, on va dire. Frère, j'en peux plus. Oh, frérot, faut que je pose le méchoui là. Je vais m'évanouir. Bonjour, mamie. Du coup, on commence à cuisiner. Là, j'ai besoin d'aide. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a prévu pour ce soir. À chaque fois, pour couper le jeûne, la rupture du jeûne, elle se fait avec des dattes et un verre de lait. Du coup, c'est ce qu'on a fait, les gars. On a acheté des dattes, sauf qu'on va les revisiter un petit peu. Je vais essayer de trouver des côtés un petit peu originaux, faire de la petite déco, des choses comme ça et tout. J'ai acheté aussi des amandes, des noisettes et des espèces de cacahuètes caramélisées. Et en gros, on va ouvrir les dattes et on va mettre ça dans les dattes. Et du coup, c'est pas genre tu manges la datte, faut retirer le noyau et tout. Tu peux tout manger. Deuxième chose, on coupe avec un verre de lait, du coup, on a pris du raibi asabi. Non, asahbi. Asahbi. Sahbi. Ça veut dire quoi, asahbi? Sahbi. Sahbi. Pas mon frère, si tu continues. Ça veut dire mon ami? Asahbi. Eh, hey, les gars, abonnez-vous à Sarabi. Ensuite, le menu, du coup, on a le méchoui. Bon, j'avoue, le méchoui, on a un peu triché, on l'a acheté déjà préparé. On a les briques. On va être 6 à manger ce soir, j'ai 5 invités. Et après, bon, Saïd, sa maman, Omar et tout, ils seront là quand même. Ils vont manger avec nous. Mais j'ai vraiment 5 invités, on va dire, qui sont là ce soir, qui sont au courant de rien de ce qu'on prépare. On fait quoi après? Il y a une chouchouka aussi. Oui. Voilà, il y a une chouchouka. Chouchouka, si je dis pas de bêtises, comment tu décrirais ça? C'est une salade? Oui. Et après, en dessert, il y a les cornes de gazelle. Et après, j'ai tout dit. Non. Ah non, il y a le thé. Thé à la menthe, mon ref. Le thé, bah oui. Par contre, de faire, hein. Non, j'avoue que le thé à la menthe, en vrai, je sais pas si moi, je peux me permettre de le faire. Maman, s'il te plaît, voilà, il est en train de mettre des disquettes. Faut le laisser vraiment préparer le store. Parce que je veux pas qu'il triche, s'il te plaît, maman. Mais regarde, elle est déjà dedans. Elle est déjà dedans. Non, les gars, c'est vrai que, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à préparer. Moi, en cuisine, j'ai jamais cuisiné ce genre de choses et tout. Donc, je suis vraiment débutant. Heureusement, il y a la maman de Saïd qui va vraiment beaucoup m'aider. Et c'est pour ça que vous allez avoir préparé des trucs aussi de son côté. Donc on est une équipe. Oh les gars, comment j'ai faim, vous pouvez pas savoir. Il fait chaud, le méchoui, le soulever et tout, ça m'a coûté trop d'énergie. J'ai trop soif. C'est quoi ça, c'est le torchon? Non, ça c'est le tablier. C'est le tablier de qui? Pour toi. C'est mon tablier? Oui, non. Si, si, ouais. Magnifique. Ah oui, d'accord. On m'avait pas... tenu au courant de cette info. Et ben voilà les gars, là on est prêt à préparer un bon ftour. Attends, mais ça, je vais commencer par préparer les dates. J'ai une question, tiens. Qu'est-ce que là tu fais ftour, un ftour presque parfait. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Juste et ils vont me noter et tout après. Faut que j'ai 7 sur 10. Ce serait bien.
Allez, je te dis. Au-dessus de 7. Ah, c'est une bonne note. Et bah, si t'as plus de 7 de moyenne, je t'envoie en Algérie. C'est bon? Plus de 7 de moyenne. Hein. Il est quelle heure? Crois-moi, je vais l'avoir. T'attends retard, moi. Crois-moi, je vais l'avoir, cette moyenne. Mais maman! Les 15 heures passées, je suis dans la merde. Les gars, il me reste plus que 3 heures. Hein. Et bah, c'est parti, les amis. Je vous ai présenté un petit peu tout le repas qu'on va préparer. Maintenant, faut cuisiner. Parfait. Hop. Oh là là. Mais on est d'accord, faut goûter ce qu'on prépare. Ah oui, bien sûr. En cuisine, on goûte toujours. Même là? Ah oui, tu peux. C'est possible. Non, moi je le fais. Je vais pas le faire. J'essayais de gratter, mais. T'es trop gentille. Tu prends une petite amande grillée au four là. Ouh là là. En fait, je te jure, ils vont kiffer. Parce que du coup, ils vont manger la date et ils pourront croquer comme ils veulent dedans. Ça change, ça rajoute du goût et tout, c'est vraiment cool. Hein. Et voilà, ça fait une mise. Wow, c'est trop stylé. Oh, le plan, j'avoue, il est magnifique. Et pour l'entrée, je pense qu'on a déjà fini. Parce qu'en vrai, on va faire en entrée date avec le petit verre de lait, comme je vous ai dit. Et le verre de lait, bah. Non, les briques, ça aussi, fait à ça la fait partie fin. De l'entrée. Ah, les briques, c'est en entrée? Bah ouais. Les briques, oui, bah ça. Et plat, c'est la souris, ça. C'est que le méchoui et la chouchouka. C'est bien en vrai. Bah ça suffit hein. Et bah vas-y, on va passer aux briques hein. Mais tu vas pas préparer ta farce déjà? Ouais si. Quelle farce? Pour les briques. Oula. Mais en fait moi je sais pas comment on fait des briques. Bah après, attends, mode, bah tu vas mettre quoi dans la brique? La brique, tu mets quoi dedans? Bah oui, une bonne question. C'est des briques à la viande hachée. Okay. Avec la... oui. Ok. Ah, viande hachée kiri. Mmh. Oui. Mmh. On est sur un hit, hein. Franchement, les gars, ça se voit là que j'ouvre bientôt mon resto, non? Mais non, maintenant, les gens savent, c'est annoncé. Je l'ai dit dans mes sub goals jusqu'à mes 10 millions. 9 700 000 abonnés, les gars, j'ouvre mon resto. C'est pas une blague, hein. Non, pour de vrai, je me suis amélioré en cuisine. Parce que vous croyez que je suis gaise en cuisine? Un petit peu, en vrai. Mais je me suis amélioré. Je suis moins gaise qu'avant. Maintenant, je sais faire des pâtes. Oh là 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 là. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire. Faut pas faire ça, je viens de m'en rendre compte. Eh, j'ai juré, les invités vont me respecter, d'accord? Je suis en train de leur faire un futuru de fou furieux. Ils vont se régaler pour le ftor. J'espère que vous kiffez, les gars, ce genre de vidéo un peu détente qui change comme ça et tout. Mec, là, c'est vraiment... En fait, en ce moment, je kiffais comme il y a le ramadan et tout. À un moment, je suis allé faire la rupture chez Saïd. Et en fait, j'ai trop kiffé. Et je me dis... J'ai trop envie de préparer ça pour des potes et tout, et partager ça avec vous, je trouve ça trop bien. Allez hop, ça les amis, c'est pour les autres briques. On va faire des briques aussi au poulet. Du coup, pommes de terre finement hachées qu'on fait revenir à la poêle. Et après on vient rajouter le poulet. On met du kiri ou pas avec le poulet? Non. Si. Du kiri aussi? Ouais. Mais oui. Oh oui. Oh la oui gueule, quand même. On est mère à la poêle. Il est quelle heure? Ah ouais, j'avoue. Ça passe 5 minutes, là. En vrai, moi, vers 18h, 18h15, faut que j'arrête. Les farces des briques, elles sont prêtes? Bah ouais, frère. Magnifique. Du coup, là, on peut commencer à piller les briques ou faut laisser refroidir encore? Non, c'est bon, là. On peut y aller? Ouais. On peut y aller. Allez, là. Regarde, la première, je vais la faire à l'instinct. À l'instinct? Tu vas voir. Attends, ça ressemble à ça? La brique, oui. Ah ouais. En fait, c'est une crêpe? Ouais. Et là, ils sont coupés à deux. En deux. Ah, les coupés en deux. En deux, oui. Pour te... Donc, tu l'as plié un peu en deux. Te faire aider. Tu fais un petit triangle avec ta farce. Ah ouais. Oh, c'est de l'origami. Et tu continues, regarde. Plus tu... Et tu te serres. Et là... Oh. Ah, et tu plies à l'intérieur. Ouais. Ok. C'est pas ça le ramadan. La technique, elle est incroyable. Je fais ma première brique, tu regardes pas, je te demande après. Non, ouais, exact. Ah. Ma brique, elle va être tellement belle, elle va vouloir m'adopter. Omar, tu vas être remplacé. Ok, on met une petite pointe. T'en as mis beaucoup là. Ah ouais? Mamie, il en a mis beaucoup ou ça va? Non, ça va. Non, ça va, oui. Ça va, magnifique. Étape 1, tu viens, tu plies comme ça. Étape 2, tu replies ça. En balle. Étape 3, tu vas de ce côté-là. Bah voilà! Mais frérot, magnifique. Là, ça, tu le prends et tu le rentres à l'intérieur. Franchement, pour une première. Pour une première, ouais. Chapeau. Le seul problème, c'est que si... Ah non, c'est bien, hein. Tu me mettrais combien, là, en note?
Ouais, bon, je mettrai 7. 7. 7. C'est... Ouais, 7, c'est... Ouais. Mamie, t'es sévère, hein. C'est un peu... c'est un peu moins. Peut mieux faire, quoi. Attends, moi, j'en fais une. Peut mieux faire. Vas-y, fais voir un peu ton talent de briqueur. Aïe, aïe, aïe. Moi, là, déjà, je vois ça, je vois qu'il en a mis trop, mais bon. Regarde, après, tu fais ça. Tac, boum. Faut le dire, il a géré. Et là, tu mettrais combien, 7 briques? Ouais, 7 aussi. Voilà, mais t'es sérieux, c'est quoi, mamie? Je me casse. Mamie, wesh! Oh, 7 sur 10, c'est bon. Je suis ton petit fils, moi. Non. J'ai d'être ça de ouf. Bah, c'est pas ça qui fait la note. Pour continuer l'entrée, on avait dit on va couper du saucisson. Regarde-moi ça, là. La saucisse sèche, volaille et bœuf. Je fais quoi? Je fais un bol rempli de saucisson, quoi. Ouais, ouais, pile. Ouais, oui, si. Oh là 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 là. Mec, je speedrun mon saucisson. Il nous reste 20 minutes, les amis. On va passer à la déco. Et là, les gars, je me suis fait plaisir sur la déco. Franchement, j'ai hâte de vous montrer. Hein. Regardez ce qu'on a préparé. Déjà, on le voit partout, même dans cette vidéo, les frères. Je suis obligé. Je suis kabyle. Algérien dans l'âme. Papa. Magnifique. Bon, Omar, j'ai un truc pour te faire plaisir. Il est content pour de vrai. Voilà. C'est magnifique, frère. Regarde-moi ça, là. Et là, regarde-moi ça. Ouh. Petite nappe, on a les drapeaux. On passe aux pépites. Je suis allé faire un petit shooting. Cheb m'échoui. Je suis allé au milieu du désert, les frères. On est bien ou pas, là? Franchement, on en pense quoi? Tu vois, ça, c'est de la décoration. Ça, c'est de la décoration qui décore. OK. Et on a la dernière touche finale. Tu veux voir la vraie nappe? Ça, c'est de la nappe. Regarde ce qu'il y a écrit. Un ftor presque parfait. Putain, je reçois des messages. Imagine, c'est eux. Genre, Choco. Ah, j'ai spoil. C'est pour de vrai, c'est Choco. C'est vraiment Choco. Je suis là à 50, je suis bloqué dans les bouchons. Très bien, ça m'arrange. Continue d'être bloqué. Et bah là, mon frérot, je pense que tu peux me faire un avant-après. Machallah, comme on dit. Regarde-moi ça, là. Est-ce qu'on passerait pas au dessert? Exact. Faut faire les cornes de gazelle, là. C'est le dernier truc qui reste à faire, non? Oui. Comment on fait les cornes de gazelle? Est-ce que tu peux m'en montrer peut-être une? Et comme ça, moi, après, j'en fais plein. Je te prends comme ça et te fais des petits boudins. Moi, je vais... Je fais des petits boudins, c'est-à-dire... Oui. Je fais quoi ensuite avec ça? Je le mets au milieu. Ah, OK. Et je fais plein de petites boules. Voilà. Mais là, c'est un peu trop. Là. Là. D'accord, OK. On dirait des gyoza. Non, pour de vrai. On dirait des gyoza, mais en dessert. OK. Donc là, la petite corne que j'ai posée, je viens replier ça en entier. Ouais. Comme ça. Là, je le ferme. T'appuies bien sur le... OK, là, j'appuie bien. Ouais. Voilà. Pas ouf, là, non? Non, attends. Elle a dit non. Elle a dit les termes. Les briques, lui, là, elle est prête? Tiens. Je peux les mettre? Oui, mais fais attention. À la main, oui. À la main, tu fais comment? Comme ça. Ok. C'est notre... Oh là! Oh là! Ça dit quoi? Ah ouais, le Mickey Mouse. Ça dit quoi? J'ai faim! Mec, j'ai les crocs aussi. Les frérots, il va être l'heure. On s'est mis en tenue. Les invités sont là. On va les appeler tout de suite. T'es mal à pair. Tu vois ça? Ça envoie. Oh là 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 là. Je vais aller chercher les briques après, une fois qu'il y a tous les invités déjà. Je veux qu'ils découvrent l'ambiance, qu'ils découvrent le décor, qu'on s'installe, qu'on prenne le temps de parler. Et après, ça va être le moment de couper après, les gars. Mais non! Oh là 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 là! Ouais, c'est quoi cette déco de fou là, par contre là? Ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est comment? Ça va? Mec, ça va et toi? Bah, ça va, merci pour l'accueil. Frérot, la dernière fois, tu te rappelles, tu m'avais invité chez toi, on a cassé le ramadan ensemble. Et frérot, maintenant c'est toi qui m'invites chez toi pour qu'on casse le ramadan ensemble. Voilà, exactement. C'est une dinguerie. Bienvenue. Merci, je m'assois où je veux ou pas? Bah, assis-toi où tu veux. Vas-y, c'est bon. Tu connais ça? Leur frérot. Leur raibi. Ça, c'est un hit dans le jardin. On dirait vraiment ce pote qui veut trop s'intégrer. Let's go. Mais non, ça y est. Mais les gars, on n'est pas bien entre. Eh, mais toi, t'es algérien aussi. Ouais. Mais on est entre algériens là. Ah, t'es algérien? Tizi Ouzou, moi. Tizi Ouzou? Kabyle. Ah, t'es Kabyle? Ouais. Ah, c'est bon. Vraiment. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, chef Michou. Aïe 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 aïe. Mon DZ préféré. C'est une incrustation ou t'étais vraiment à l'endroit? Non, je suis vraiment allé faire un shoot là-bas. Plan B, mon frérot.
Tu sais que tout ça, c'est ta faute en vrai. Bah, c'est tu moi vois, qui ai créé. Un jour, tu es venu chez moi, dans mon local. T'as mis le fond d'écran Cheb Meshoui, drapeau de l'Algérie. Et depuis, je suis algérien. Mais moi, je suis tunisien. D'ailleurs, il est où le drapeau de la Tunisie? Attends, t'es tunisien? Oui. T'inquiète. C'est bon. Il est là. Mais il est où mon drapeau à moi? Parce que je vois, il y a tout le monde, mais il n'y a pas moi là. J'avoue, t'as oublié un drapeau. Et où le drapeau de la Turquie là? Frérot, le drapeau de la Turquie, vous l'avez volé, hein? Dire au bout d'un moment. Ça n'a rien à voir, le drapeau de la Turquie. Mais vous avez juste enlevé le blanc. Mais l'étoile, elle est dans la ville. Vous avez inversé les couleurs. Attends, mais la Tunisie, elle a volé l'Algérie aussi. Non, ça c'est un autre débat. Là, tout le monde a volé tout le monde. En même temps. En même temps. Eh, il parle des Arabes là. Eh, parle pas comme ça des Arabes. Il y a trop de blancs. Salam. Comme ça. C'est à quelle heure que t'arrives? Ça va, je suis à l'heure. Bah, eh, les copains, je vous propose qu'on s'installe. Pas de guerre, les enfants. Je mets la Tunisie. Il y a pas de drapeau de la Turquie, frère. Je sais pas. Attends, mais on peut manger là? Bah, c'est que moi, je vais pas te mentir, j'ai fait. Attends, t'as fait le ramadan? J'ai fait. Eh, moi, j'ai pas mangé. T'as fait le ramadan? J'ai trop faim là. Miguel, oui, vas-y, coupe. On peut couper? Même si c'est pas vraiment magnifique. Prends une date. Attends, et du haïbi. Tu dis quoi? Du raïbi. C'est le ben, non? Vous avez jamais goûté? Non. Raïbi. À chaque fois que je fais le ftor chez Saïd, je te jure, il y a ça, c'est un banger. Mais moi, j'ai jamais mangé. Même moi, goûte-moi ce hit. Mais c'est le décor, tu vois? C'est le décor du bail. Je sais que t'as bouffé un plan. Ouais, je t'ai déjà tout bu. Mais frère, abuse, frère. Boire direct. En vrai, c'est du yop. On dirait du yop, ouais. Non, c'est pas on dirait, c'est du yop. C'est bon. Les gars, goûtez-moi les dattes. Moi, j'en ai pris une. Elles sont exceptionnelles. Il y a un truc dedans. C'est quoi, on dirait une cacahuète. Non, c'est pas le noyau. J'ai enlevé les noyaux, j'ai changé, j'ai mis des trucs. T'as changé toi-même. J'ai revisité les dattes. Non, la vraie vérité, c'est que ça date, j'ai pas mangé. Parce que c'est des dattes. Des dattes. Ça, c'est super bon, les gars. Ouais. Mais du coup, toi, Michou, qui a vécu une journée dans le ramadan et tout, t'as bien aimé? T'as fait le ramadan? Ouais. C'était pas trop dur, en vrai, de pas boire, pas manger? Alors, franchement, en vrai, ça va. En fait, comme j'ai cuisiné toute la journée et tout, j'étais en cuisine, etc., à un moment, ça me rassasiait les odeurs. Et sauf que là, je suis un peu fatigué du tout. Mais t'as pas mangé du kiri, là, comme... Parfois. Non, j'ai pas fait. J'avais fait ça chez Riyad. Ah ouais, je l'ai détruit, le kiri. Bon, je me suis lavé les mains, mais vas-y. Après, la décoration, il a géré. Cheb Meshoui. Il n'y a pas le drapeau de la Turquie, je réagis même pas à la déco, frère. Ça, hein. Bah après. Mais est-ce qu'il est facile d'accès déjà le drapeau de la Turquie? Bah ouais. Je vous coupe. Paul. Bah ouais, la spéciale. Ça fait plaisir, ça. Ah, je t'en supplie, frère. Les briques. Ah ouais, j'ai capté. Briques fait maison. Toi, tu voulais tout rafler, sélecto. Alors, il y a un côté. Oh merde, je les ai mélangés. Ah bah bravo, il y a un côté bœuf, je crois, et un côté poulet. Okay. Donne-moi tous les côtés, frère. On va se régaler. Mais, déjà, mais oui, quel genre de respect, ça? Oh, j'ai le coup de merde. Mais attends, mais frérot, calme-toi. Oh. Il est malade. Ah ouais, toi, ça se voit, t'as la dalle. On a jeûné, ma gueule. Les gars, j'ai ramené toutes les boissons. On va pouvoir goûter le Selecto. Let's go. T'as jamais vu en plus? J'ai jamais goûté le Selecto. T'as jamais goûté le Selecto? J'ai jamais goûté. Tu as fait, hein. C'est pas bon. C'est toi qui l'as fait. Quoi, c'est pas bon? Ouais, le Selecto, c'est dégueu. Lui, pour remettre à César ce qu'il y a à César, j'ai eu l'aide de la maman de Saïd. Qui est trop fort. Respect, respect. En fait, c'est elle qui a tout fait. Non, c'est pas elle qui a tout fait. Mais pour de vrai, sans elle, je pense que... Bah, elle a tout fait, donc on n'en serait pas là. Non, mais arrêtez. J'ai participé. Je vais goûter le Selecto. Dis la vérité, s'il te plaît. Dis la vérité, vas-y. T'as le droit de pas aimer, hein. Tu peux dire les termes. Wesh, il y a un petit couteau, là. Pas mal. Mais c'est un hit. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Mais c'est incroyable! T'as vu ou pas? Comment ça c'est? Comment ça c'est? En fait, il y a un. Non, le frère! Le Selecto c'est une dinguerie! Ah, c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! C'est bon! C'est la meilleure boisson du monde! Faut qu'on attaque les briques parce que je vous jure qu'elle donne envie! Oh là, let's go les gars! Allez, prenez! C'est ça le plat? Servez-vous les gars! C'est laquelle au bœuf? C'est le poulet déjà? Bah après, ils nous ont pas attendu pour prendre, de toute façon! Ouais, mais calme-toi! Non, ça c'est une dinguerie! Oh non, c'est. Frère, j'en prends 4, gros! Je te jure! Merde, j'ai bu à la bouteille! Mais les deux, c'est des cas! Mais je vous jure, j'ai pas fait exprès la vie! Tout le monde s'est servi? Ouais. Bon, bah, du coup, le reste du plat. Merci, frère! Ah, mais c'est trop bon! C'est vrai? Waouh! Ah, t'as géré. C'est vraiment bon. Après, c'est la première brique. Mais attends. Calmons les bails. Waouh. Elles sont vraiment bonnes pour un mec qui. C'est la première fois que tu cuisines tout seul. J'avais quelqu'un avec moi en cuisine. Frérot, t'as vraiment bien. À la carie. Aiguille. À la carie. Ah, ouais. Sachez qu'à la fin, faudrait que vous mettiez une note. Faudrait que vous notiez le repas,
l'ambiance. Pour l'instant, l'ambiance zéro. Hein. Il y a une petite. Mec, c'est un tour presque parfait. Exactement. Presque raté. Bah, nouveau titre pour ta vidéo, frère. Mais c'est le titre. Attends, pour de vrai, la brique. Elle est très bonne, waouh. Non, mais vraiment, elle est bonne. Wow. Moi, ça, c'est l'eau poulet. Ouais. Et en fait, les assaisonnements, ils sont incroyables. Oh, là, on l'a sur la guarde. Non, c'est incroyable. Tu sais que c'est chaud, mais c'est trop bon. C'est bon, je pouvais pas m'arrêter. Ah, mais vous mangez quoi? J'ai tchèque pendant le ramadan, moi. Du riz, poulet. Ah, je sais pas, moi je mange normalement en vrai de vrai. Je mange pas trop de spécialités turques. Eh, hey, 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 Derek. Quoi? 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 Non, mais je voulais m'intégrer. D'accord. Non, mais mon khay, tu veux que je te hagar ou quoi ici? Bon, bah voilà les gars, c'est la preuve que je suis pas raciste. En fait, il fait cette vidéo-là que pour ça. Il fait que pour ça. Oh, waouh. Oh, waouh. Il veut toucher une nouvelle communauté, non, c'est tout. En vrai, t'as pas fait ça pour l'image, en vrai. En vrai, de vrai. Non, je te jure que non. Bah, oui, en vrai, de vrai, j'étais chez Saïd il y a 3 jours. On a fait... Non, plus que 3 jours, je suis un ouf. On a fait le tour ensemble. Mm-hmm. Et en fait, je me suis dit, mais frère, je veux... En fait, je voulais retourner aussi aux vidéos plus simples. Ouais. Et en ce moment, il y avait ce running gag de Michou algérien, machin. Je me suis dit... Faut que je fasse une vidéo. On va rentabiliser. Après, le running gag, il est long. Il est très long. Moi, je propose qu'on ramène le plat. Les briques, j'ai mis la barre haute. Je vais chercher le plat. Oh. Et là... Frère. J'attends. Là, le plat. Ah ouais. Masterclass. Non, je tease pas, en vrai. Il y a déjà la première moitié du méchoui. Elle l'a mise à chauffer. Elle l'a gérée de fou. Tu sais qu'ils ont adoré les briques, hein. Les deux. Ouais, les deux. Mais vraiment tous. Ils ont tous adoré. Donc je suis trop content. Franchement, à la fin, il faudra que tu viennes, qu'on te félicite tous. Oh là là! Ça pétille encore! Tu sais que j'ai mangé 3 briques, j'ai déjà plus faim. Plus faim, oui. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais. Oh, le méchoui, il est tellement énorme. Je vais arriver avec ça, ils vont rien comprendre. Les copains. Ça évolue un petit peu quand même. Oh, oh joie des olives. Oh là là. Oh, joie des olives. Oh là 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 là. Et là là là. Oh. Là ce que je oh vois. Oh là 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 là. Ça c'est la chouchouka. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vas-y, dis-nous tout. À l'intérieur, poivron, ouais. Tomate, okay. Cumin, curcuma, okay. Un peu d'eau. Ouais. C'est wow. Génial. Tu veux mettre ça sur les Non, mais on a fait ça bien. Riyad, il me voit comme un imposteur. Non non, je veux savoir juste si tu sais ce que t'as préparé, tu connais. Je ramène le plat les gars. OK. Moi j'ai un unpopular opinion. Je déteste les olives. C'est pas ah ouais, non, mais bah, tous les Arabes aiment à peu près les olives. Moi, c'est promis, je mange rarement, je n'aime jamais d'olives. Ouais. Bah, moi non plus, j'aime pas les olives. Vous êtes bande de traîtres. Ah, bah, c'est là. Bon alors. Non, franchement, là, ah, bah, moi, attends, après, il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est bon. Non, non, l'huile d'olive, non, c'est bon. Ah oui, purée, c'est vrai, j'avais oublié de faire ça. Alors qu'elle m'avait expliqué la dame. Oh, je suis trop bête. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus. Ah, on va bien manger. On va bien manger, là. Est-ce qu'on mange, là? Tu sais qu'il il s'est mis en caleçon en dessous ou pas? C'est vrai? Ouais. Oui, il est curieux comme ça, mais pourquoi? Bah parce que je le vois à travers. Quoi? Ça, le reste, quand tu mets une baya blanche comme ça, ouais. Tu vois à travers. Il faut toujours mettre un pantalon en bas, c'est conseillé. Donc là, il est en caleçon? Bon. Après, il a un sacré paquet. Il est chez lui, hein. Il a un paquet taille. Mais wesh, mais on est où, là? On est dans quelle vidéo? Les copains! Oh, oh, wesh! Ah oh ouais frère. Non, c'est ouais, toi t'as fait ça. On est l'animal. Il a ramené Wellpeak. Il a. Hop. Wow, oh la bête. Le méchoui. T'as ramené une vache entière. c'est impossible de faire manger. C'est un agneau ça. C'est toi qui as fait tout ça. Frérot, c'était compliqué. Mais vous l'avez cuit comment? Au four, c'est pour ça qu'il est coupé en deux. C'est que j'ai envie d'attraper là un ouais, bon là, morceau là, comme là, ça. Ici là comme ça. Arrgh. Et bah les gars. C'est fait pour. Moi, donne-moi une partie pure bœuf, moi. Non, toi, t'inquiète, t'auras le reste. On sait qu'on va pas tout finir, mais ils finiront demain, après-demain, chez Saïd. Wesh, wesh, wesh. Mais t'es un malade, non, mais arrête. Arrête, frère. Celle-là, elle est pour toi. Mais non, mais le pauvre. Excuse-moi. Elle est venue saper beau gosse et tout. Il l'a tué une deuxième fois, frère. Non, non, wesh, Saïd, calme les bras. La viande, je l'entends, elle est en train de pleurer, là, encore. Yeah. On est où là? C'est un fou dans le Maroc. On est dans une ferme, mon frère. Je vois, il y a un animal ici, il y en a une ici. Tu vas nous expliquer comment t'as réussi à faire tout ça, quoi. Mais y a pas de problème, les gars. Vas-y, à toi de servir flambier, frère. Voilà. Ah, frère, j'ai faim, frère. J'ai faim, mon Mich. Prends ça, s'il te plaît. Non, mais arrête ça! Mais y a plus rien dedans! Ça y est, allez, ça renverse encore! Mais t'es tellement. Non! Oh, mais c'est la deuxième fois! Oh, les gars! Eh, la viande, elle a l'air d'être très tendre. Ah, très bonne, hein? Très, très tendre. Wow! Très bon. Ouais, c'est pas mal. Oh, ça régale. Ouais, je suis en train de me régaler pour de vrai, moi. Ça a pris combien de temps pour être mijoté, ça?
4 heures. 4 heures ça, mec, c'est 4 heures au four. Mais tu sais, c'est ce qu'on met dans les mariages, frère. Là, c'est un vrai truc. Bah, justement, j'ai un truc à vous annoncer. Non. Tu vas te marier avec Elsa? Non. Arrête. On est en train de manger Elsa? Hein? Oh non. C'est la blague de trop, là. J'ai plus faim. En vrai, tu comptes te marier ou t'es en mode... En vrai, de vrai... Pas de mariage. C'est un peu tôt, non? Enfin, en fait, je sais pas. Et toi, Flambi, tu comptes te marier, toi? Moi? Oui. Non. Hein? Après, t'envoies des grandes respirations quand tu... Moi, je veux pas de... Moi, j'ai mis une meuf et je veux pas avoir de meuf, moi. Ok, mais est-ce que tu vas avoir une femme? C'était pas du tout la question de base. Est-ce que tu veux avoir une femme? T'as envie de finir ta vie avec quelqu'un? Ah oui, non, non. Non, oui. Non. Moi, je veux pas avoir de femme. Tu vas avoir un homme? Non, moi, je vais être solitaire à vie. Non, mais arrête. Batman, tu as déjà vécu une meuf? Frérot, bah oui. C'est vrai? 4 ou 9. Ah bah oui. Tu regardes pas les films, t'as jamais regardé les films. C'est Ça. J'ai avalé par le nez. C'est lunaire. Il y a autre chose après? Il y a les desserts. Ok. Et j'ai ramené un truc d'ailleurs. Ah ouais? Juste pour me rappeler là, mais j'ai ramené un truc. T'as ramené un truc? Ouais. Ah ouais? En fait, c'est ma grand-mère qui voulait absolument que je la ramène. Oh, non. C'est trop gentil. Pour le dessert. Ouais. Oh là là. Ok, je ramène les desserts. Let's go. Vas-y. Allez, ça régale. Gagne des points, toi. On verra. Je sais pas si... Oh non, mais c'est trop, mais je suis trop maladroit. Troisième fois, mais je Non, je te jure. Ça va, t'as rien dit. Les gars, j'ai juré, je vais perdre un point à cause de ça, j'ai trop le seum. Wesh, mais comment c'est lourd? Mais ça fait sa taille. En vrai, l'entrée elle était trop L'entrée, hardcore. Il a fait une bonne entrée. L'entrée, elle était trop hardcore. Par rapport au pain, Ah, les briques, il a mis fort. En fait, tu nous as sorti un pavé de viande dur. Comme ça. Avec rien, en plus, à côté, il y avait rien. En vrai, c'était pas mal. Moi, je suis pas trop fan des viandes. Moi, je suis pas trop fan des viandes. Non, moi non plus. C'est-à-dire que j'ai pas trop. Il a pris un risque. Oh là, les gars, vous avez double face. Tout à l'heure, vous aimez ça. Tout à l'heure, vous êtes que vous aimez ça. Et tout là, trop bon et tout. Vous allez faire des points. Vous allez faire des points et tout là. C'est bon, mais c'est pas le kiff le plus, tu vois. Hypocrisie. Mon frérot, les cornes de gazelle qui viennent d'être badigeonnées dans le miel. C'est magnifique, hein. Pour l'instant, ils kiffent. Franchement, ils kiffent de fou. Le méchou, ils ont rien vu, ni vu, ni connu. Moi, je voulais manger avec du pain. Il y a ça que j'allais dire. Il manquait le pain. Ouais. C'est bizarre, ouais, ça. On va lui demander. Moi, je voulais manger avec Saïd. Du pain. Saïd. Ouais. Il manque. Babacam, il est où le pain? J'avoue, le pain. Ouais, je commence à dire. Le Khobz. Le Khobz, c'est important. Le problème, il y a plus de boulanger. Aïe, y'a plus de boulanger. Et bah ça rentre dans la note. Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, hein. Ça, tu vois, ça a des conséquences. Ça va noter ça. Parce que c'est. Mauvaise note, c'est bâtard. C'est pourquoi? Parce que t'as oublié le pain. On a oublié le pain. C'est vrai que sans le pain, mon frère, t'as un truc de ouf. Ah ouais, le pain marocain en plus. Putain, c'est vrai. Mais en tout cas, ils sont choqués. Et tu sais qu'à un moment, ils m'ont donné chaud. Parce que le méchoui, c'est pas vraiment nous qui l'avons fait. Et le méchoui. Un moment, Choco a dit, par contre, tout ça, là, les pruneaux, les abricots et tout, moi, j'ai des questions, hein, parce que je me demande comment t'as fait tout ça. J'étais comme un con. Les amis. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai jamais mangé, c'est des coquillages. Cornes de gazelle. Des cornes de gazelle. Fais maison. Mec, j'ai jamais mangé ça. Petite corne de gazelle, fais maison. Et il y a des mots dedans, même, quand tu manges. Badigeonné de miel. C'est envie de payer. Il y a de la pâte d'amande à l'intérieur. Ok. C'est enrobé dans de la pâte qui est fait avec de la farine. Avec du sucre glace. Ensuite, on a fait chauffer, on a badigeonné avec du miel et on a remis du sucre glace. Mmh. Il y a une odeur étrange qui sort. Ça se mange à la main. Ah, il y a de la fleur d'oranger aussi. C'est ça, ok. Franchement, régalez-vous. Tu l'as bien badigeonné. C'est tout ce que je vous propose. Ok, bah bon appétit. Oh. Bon app. Oh. T'as déjà goûté ou pas? Bah oui. J'ai jamais goûté moi, je connaissais pas. Hein. C'est super t'as jamais mangé? Ah ouais? Moi, je regarde voir ce que vous avez. Ouais, bah, vas-y, oui, je vis. Eh, mais lui, il est en mode inspecteur. Je vais le dire avec analyse, là. Tu sais que je garde de moi parce que je trouve que ça fait vraiment les gâteaux typiques marocains. Ouais, tu sais, on dirait quoi? On dirait des miel pops, un peu. Non. Au niveau de l'odeur et du goût. Mais pas du tout. Même pas. Oh, la vie est catastrophique. Hein. C'est le seul dessert? C'est le seul dessert. Après, il y a le thé. Le thé, il est en train d'être finalisé. Bah, alors, je vais chercher d'autres trucs, je reviens. T'as ramené un truc, magique? Le truc de sa mamie. D'Algérie. D'Algérie, let's go. Moi, j'avoue que j'en raffole pas de fou, parce que j'aime pas trop la croûte. Ok, mais la pâte d'amande. Mmh. Il a ramené du bois. Lui, il est là pour me faire la concurrence. C'est exactement, c'est pour te faire perdre des points là. Si ton truc est meilleur, je vais perdre des points. Une boîte noire comme ça. Oh, oh là, il y a des nems. Non, c'est pas fait maison, par contre, j'avoue. Ah, ok. Hop là. Mais on dirait vraiment des nems. Non, mais wesh, le pauvre, vu ce qu'il a fait. Tant que tu perds des points là-dessus, je suis content, toi. L'intérieur, c'est une derme. Regarde, c'est de ton pays, mange. Non, mais. Il y a un jet. Mais tu crois qu'on va t'empoisonner ou quoi? Mais qu'est-ce que tu caches quelque chose, hein? On dirait, il est vraiment dans l'émission, un dîner presque. Il y a un truc que tu nous dises, Riyad. Mais ça, on pourra pas le noter, hein.
Non. Bah oui. D'accord. Bon, tant que vous aimez, c'est ça qui est bon. Non, bah, c'est bon. En fait, ta grand-mère, elle est juste allée acheter. Tu dirais merci à ta grand-mère. Voilà. Bah, elle nous a fait un petit cadeau. Elle s'appelle comment? Aïcha. Je vais peut-être pas le dire. Ah, ma grand-mère. Aïcha. Ah, ouais, ma grand-mère. Mais bah, franchement, Aïcha, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha, pour le cadeau. Tu te rapproches beaucoup des Arabes, là. En ce moment. Ouais. En vrai, maintenant que je suis entouré de potes arabes, je peux faire des blagues racistes. Non. J'ai le arabe pass. Qui a dit qu'on était potes, Michou? Non, mais vas-y, t'inquiète. Qui a dit qu'on était potes? Et on coupe évidemment les caméras. Vas-y, fais des blagues racistes, vas-y. Alors, ça tombe bien, j'en ai un maximum. Ah bah les gars, en vrai, c'est drôle, non? Frère... Oula. Non, mais allez, c'était des barres. On fait style, il vient de dire toutes les blagues, attends. Et on fait les mecs choqués comme ça. Montage, il cut, il y a un gros blanc. 2 minutes plus tard, non, comme non, ça. Non. Et on est... Là, on fait un truc, on est tous comme ça. Non, les gars, en vrai, vous êtes régalés. Ouais. Franchement... Ça régale. Oh. Merci beaucoup. Les gars, est-ce que je peux donner l'été? Je peux le dire aussi, je vous présente la maman de Saïd qui m'a aidé de fou en cuisine. Merci beaucoup, on l'applaudit. C'est elle qui m'a préparé toutes les recettes et tout. Merci beaucoup. Si on s'est régalé, franchement, c'est vraiment grâce à toi. Merci. Je sens qu'il y a fait une dingue. Tu vises lequel, là? À deux, carrément. Parce que c'est un space 12. T'es timide. Mais frère, tu nous fais quoi? Non, il maîtrise. Il fait beaucoup d'allers-retours. Ok, vas-y, montre-moi le professionnel. Vas-y, monte sur la table. Oh là, oh là 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 là. Attention. Oh, okay. Ah oui, d'accord. Là, c'est convivial. Là, j'aime beaucoup le moment de partage. On est bien? Ouais, franchement, oui. Ah là? Là, je peux le faire. Et les gars, du coup, les notes, vous voulez les donner dans un coin? Ouais, ouais, on va les donner dans un petit coin, en concessionnaire. Au pire, on peut le faire tout le monde, quoi, mais... Confessionnel. On va passer aux notes. Et vous allez dire face à moi. C'est quoi les critères? Vous faites une note globale. Okay. C'est juste une note. On commence par qui? Bailan. Attends, je réfléchis. Ouais, ok. Là, on était sur une note comme ça. Je pense que Bailan, il a passé un super moment et qu'en vrai, il voit pas qu'est-ce qui aurait... Qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Il n'y a pas le drapeau de la Turquie. Je pense qu'il va mettre... Ah, il n'y a pas le drapeau de la Turquie. Ouais, ça baisse les points. J'y avais pas pensé. Non, arrête! Mais arrête, Riyad! J'ai une note. Vas-y. T'as une note? Ok. Parce que je suis... J'arrive pas à me trancher. Il y a un truc qui te sauve en vrai de vrai. Moi je te mets un 5. Oh, j'étais un ouf. Non. Il est gris. Très très bon solo. Il fallait dire c'était très très bon solo. Mais c'est un gros. Il a dit, il y a un truc qui te sauve. Oui. Avec quoi? Ce qui te sauve, c'est les briques. Les briques, c'est masterclass. Il est tellement aigri. La viande, c'est pas ta faute. Parce que moi, je suis pas très viande en vrai de vrai. Il est plus poulet. Mais okay. C'était bien quand même. Les boissons, c'était pas mal. Il y avait limite, j'ai envie de remonter la note. J'augmente à 6 parce que je viens de repenser au yop fraise. Ah, c'est une belle découverte. C'est ça qui a carré le truc. Et j'ai kiffé. Non, mais c'est vrai qu'il s'en est resservi au moins 4 fois. C'est vrai, moi j'avoue. Non, mais Ilan, t'es un bâtard. Non, mais t'es un bâtard un peu, faut le dire. Non, mais après. J'avoue le thé, vas-y, je monte à 7. Oh, à la fin, il va monte à 7 pour le. Donc 7, t'as dit. 7, t'as dit. Bah, allez, vas-y, 7. Ouais, 7. Ok, c'est un 7 de Bailan. Flambi. Bah, c'est énorme. Moi, je pense que Flambi va être noté correctement. Point positif, les briques. Magnifique. Là, les briques. Alors, on est tous d'accord. Alors ça, tu nous as mis tous d'accord. Maintenant, je vais te donner ta note. Ah, je fais le bon. 5. Ah non, vraiment. Non, vraiment. Je vais te donner les points négatifs maintenant. Attends, mais t'es un baiser, toi. Je remets 5, moi aussi. Mais arrête. C'est quoi, ça veut dire quoi, ça? Laisse-moi dire. Vraiment 5. Où est le pain? Où est le khoubz? Il a pas tort. Il est où le pain? Arrête. Il est où mon pain? Je veux du pain. Franchement, j'ai passé un agréable moment et j'ai bien rigolé. Ah, tu remontes la note? Je remonte la note de 6. Petit point en plus. Je pense que tout le monde a analysé les points positifs et négatifs. Les briques, elles étaient hardcore. Putain, le méchou, il a pas après, fait Après, si. La viande, attention. J'étais très impressionné par la qualité de la viande. Mais il manquait les frites, frère. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Des petites frites à côté, tu vois, pour racheter un petit peu de... En fait, je me suis trop occupé à faire que des trucs. Quand j'étais dans l'Uber avec Flambi, je me suis dit, j'espère qu'il a mis des frites. Et ils étaient pas là, les frites. Bah, tu sais quoi, je pas de frites, 4, pas de pain. Donc, je vais mettre une note de... 8. Oh, t'as tellement frérot. Il t'a mis bien. Il est dégoûté, Bailan. Gros, mais t'es le suceur original. Non, c'est un bon. T'as même fait l'effort sur la tenue, frérot. T'as vu, t'as voulu être dans le thème. Et t'as gelé toute la journée pour de vrai ou pas? T'as pas mangé? Non, pour de vrai. T'as fait le truc sérieusement? Sérieusement. T'es vraiment parti à la boucherie ce matin? Ouais, vraiment. Vas-y, 8. M'a dit, j'ai l'impression qu'il va m'éteindre. Là, ce que je vois sous les yeux, là. On m'a contacté pour une vidéo avec Michou. À la base, j'ai fait. Oh.
Après, quand il y avait question de manger gratuitement, j'ai fait waouh, ça c'est du concept. Quoi? Ouais, ça, ça joue dans mes boucles d'oreilles. Évidemment, il y a eu des points négatifs. Je vais commencer par ceux-là. Parce que j'avoue, moi, la viande, j'ai pas été trop fan. Ça pour dire, il y a eu beaucoup de points positifs, comme le fait qu'on soit ensemble. On est rassemblés autour d'un beau repas. C'est c'était magnifique. Il s'est passé des moments, on a rigolé. Et merci d'être venu, les gars. Ce que je fais pas beaucoup, là, le tour comme ça avec des potes, c'est magnifique. Je donne la note de. Il est très fort, 7 sur 10. Ça me va. Pas mal. Magnifique. Pas mal. Bravo. Pas mal. Mais pour l'instant, on est toujours sur une moyenne de 7. Hein. Je trouve, personnellement. T'as pas aimé l'ambiance? Non, mais c'est. Qui manquait pas mal de choses. Oui, aïe, aïe. Et moi, j'étais méchant, Michou. Moi, j'étais méchant. Elle commence sur ça. Elle disait quoi déjà tout à l'heure là? Oh, ils sont méchants. Pourquoi elle s'est là? Après, elle frotte le 1. Elle frotte le 1. Non, mais elle troll, elle troll. Bah oui, je troll. Mais jamais de la vie, les refs. Non, non. Ah, t'as kiffé? Mais oui. Bon, je vais mettre ma note. C'est la dernière note. De 9. Oh là 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 là. Oh, l'hypocrisie. Mais toi, tu veux pas te faire inviter. Y'a pas de hater. Mais c'est du mensonge. Elle veut se faire inviter encore dans des concepts. Mais vous êtes des haters aigris. Ça, c'est tout. On n'est pas aigris. Voilà, dis-leur. Le sélectif. T'es un haineux. T'es passé de 5 à 7. Tout pour les caméras. Tu vas un peu quand même, ouais. Mais non, voilà, 9 quand même. 9, t'as mis 9, incroyable. Hein. 9. Mais vous avez passé une bonne soirée quand même. Oui, très bonne soirée. Très bonne soirée. Et là, elle, et depuis qu'elle a mis 9, la note, un peu moins 9, bien. Comme s'il n'y avait, avait rien de mieux sur Terre. Mais ça s'est trop bien passé. Non, mais elle a passé. Les choses simples sont les meilleures, les bon gars. Eh les gars, je crois qu'on va arrêter là, ça devient trop premier degré là, les notes. Et les gars, je peux vous annoncer un truc du coup. Oui. Ok. Ma moyenne était de 7, elle a mis 9. Ça monte la moyenne, et si j'avais plus de 7 de moyenne, je pars en Algérie. Ah ouais, ouais, je veux partir en Algérie. Bah voilà. C'est quoi le rapport là? Saïd, il a dit, ouais, si t'as plus de 7, attends, tu mais vas aller en Algérie. Jamais, c'était un rite de passage que j'ai envie de faire là. C'était... Ça veut dire que là. Non, mais non, Si j'avais mis. Non, une mais c'est note. Un défi qu'on s'est lancé dans la vidéo. Jure. Ouais, je vais retourner à Tizi Ouzou. Et pourquoi tu vas pas en Turquie? Mais non, mais Turquie, je sais que je vais y aller un jour. Ah bah oui, frère. Ça veut dire que là, si j'avais mis. Donc, je mindset. Bah en tout cas, pour de vrai, je suis content. Que vous soyez. Ouais, merci de l'invite, vraiment, c'était très bon. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je prends le note pour les frites, pour le pain et tout. Merci, Madi. Merci d'être venu. Merci pour le repas. Merci, Flamby. Nous, on va se laisser là. Vous êtes les boss. On se dit à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo, des prochains lives, etc. Bref, je vous fais plein de bisous. Et en vrai, c'est trop bien. J'ai passé vraiment un bête de moment, une bête de journée avec tout le monde le soir et tout. Ça fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. Vous êtes les boss. Ciao, l'équipe. Mouah.